Bonjour, je suis le docteur Taleb, je suis gynécologue et sénologue et je suis dans l'association HGOLMES et l'association Terrain-Tot-Pédorel. Voilà. J'ai été invitée par l'association Terrain-Tot-Pédorel à Iloula. Donc on a eu une journée de sensibilisation le 6 octobre. Hier, le 13 octobre, donc on a fait notre dépistage des cancers du col par le frottis cervico-vaginal. On a eu plus de 100 patientes qui sont venues. Et sur les 100 patientes que j'ai examinées, donc j'ai eu quand même 11 suspicions entre cancer du col et cancer du sein. Voilà. Cancer du col, on trouve de moins en moins des cancers du col parce que nous traitons les lésions précancéreuses qui sont accessibles, qui donnent une guérison totale. Donc c'est un cancer du col dépistable par excellence. Par contre, le cancer du sein, on traîne un petit peu parce qu'il y a certaines patientes qui ont peur de ce cancer, donc ne consultent que tardivement. Mais je dirais que la majorité, on arrive à les prendre en charge au stade de début parce que nous faisons de moins en moins des mastectomies, nous faisons des tumorectomies. Donc c'est des traitements chirurgicaux cancer. Réceptifs, sont très réceptifs concernant donc le dépistage des cancers du sein par donc la réalisation de la mammographie et surtout pour le dépistage du cancer du col. La majorité des patientes, elles connaissent actuellement, c'est pas le HPV, et que c'est un virus qui est impliqué dans le cancer du col. Donc les femmes par elles-mêmes donc consultent, que ce soit en PMI, que ce soit dans le privé, et les dépistages de masse apportent beaucoup aux associations parce que récemment, quand même, on a découvert 5 cancers du sein qu'on a pris en charge, dont un cancer avec des métastases osseuses. Donc je pense que depuis 2005, nous sillonnons la Kabylie pratiquement tous les 2-3 mois et donc on arrive à sensibiliser le maximum de femmes à prendre en charge ces patientes qui ont des cancers. L'État, je dirais oui. L'idéal, c'est qu'il y ait des dépistages de masse. Parce que là, actuellement, c'est des dépistages individuels et des dépistages de masse que les associations donc invitent les femmes et discutent avec les radiologues pour avoir une réduction de la mammographie à moitié prix à 3 000 dinars. Merci.